départements et régions, dans nos différentes familles, grâce à la gouvernance du président Ouattara. Les populations du district des montagnes voudraient saluer la grandeur d'esprit du président de la République, ce manager providentiel, grâce à qui la Côte d'Ivoire et le district des montagnes sont en totale métamorphose. Je ne saurais rendre hommage à ce grand bâtisseur sans adresser une motion spéciale à notre maman, notre maman chérie, maman Dominique Ouattara. Je ne reviendrai pas sur les détails des routes, des ponts, universités, électrification des villages, un potage, dans le cavalier. On a fini avec tout ça. Dans tous les chapelets de sous-préfecture, on a fini avec les collèges de proximité. Monsieur le vice-président de la République, les questions liées au développement s'inscrivent toujours dans le registre des défis du quotidien. Vous voudriez bien convenir avec nous que beaucoup reste tout de même à faire. Population du district autonome des montagnes, en ce jour mémorable du samedi 14 septembre 2024, rendons un hommage mérité au président Alassane Ouattara pour toutes ses réalisations présentes et celles à venir pour le développement de notre district. Remercions le président Alassane Ouattara pour la nomination des cadres de notre district à des postes de responsabilité et lui faisons confiance pour continuer à appeler les filles et fils de notre district à ses côtés. Aujourd'hui, en voyant ce que vous avez accompli, je peux vous assurer que le district des montagnes se régénère et présente une fière allure. Vous avez, à juste titre, qualifié le président Ouattara de grand bâtisseur et d'homme de paix, car sous sa direction, notre pays et particulièrement le district des montagnes a retrouvé sa stabilité, la sécurité, et le développement. Ce sont des acquis précieux que vous devez protéger avec soin, car c'est lorsqu'il y a la paix que nos enfants peuvent aller à l'école en toute sécurité, que nos agriculteurs peuvent travailler sereinement et que nos entrepreneurs peuvent prospérer. C'est pour tout cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour dire merci. Merci au président Ouattara pour la paix, pour la sécurité retrouvée, pour les actions de développement entreprises dans le district des montagnes.